amis poissons, je suis heureuse de vous retrouver sur la chaîne du tarot de l'œil du chat pour votre tirage sentimental de ce mois de septembre. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, eh bien soyez les bienvenus, cette chaîne est bien évidemment la vôtre. Alors mes amis poissons, il n'y a pas d'arcane majeur sur ce tirage, par contre vous êtes animés par une énergie de feu, comme une pulsion, quelque chose de très instinctif au niveau de vos sentiments et de vos émotions amoureuses. Il y a beaucoup d'étoiles, il y a aussi un peu d'ancrage et de l'intellect et du cœur, mais vraiment on sent que c'est le feu qui vous anime. Alors à moins que vous ayez effectivement un personnage autour de vous qui soit du signe du feu, Sagittaire, Lion, Bélier, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes vraiment dans une énergie d'aller de l'avant dans votre relation, quoi qu'il en soit. Alors, comment vous vous présentez, votre plus grand désir, la façon dont vous êtes là sur ce mois de septembre, c'est la page des étoiles. La page des étoiles, c'est la curiosité, c'est on va de l'avant. On a réfléchi beaucoup, on a intellectualisé beaucoup de compromis, de relations, on a toujours peut-être été très sage, et puis là d'un coup, on a une route qui se présente à nous avec un soleil au bout, là, et on a envie que d'une chose, c'est de prendre ce chemin avec hâte, curiosité, et l'énergie est très puissante au point où les arbres s'inclinent, voyez-vous, ça se penche devant vous. Donc là, ça traduit clairement qu'il pourrait y avoir comme une fougue amoureuse, peut-être juvénile, peut-être comme un adolescent, vous savez, qui a une envie qui lui prend comme ça d'aller vers l'autre. Et c'est difficile de l'arrêter, voyez-vous, on ne peut rien y faire. Surtout que là, on a l'énergie du félin, vraiment la curiosité d'aller voir un peu plus loin ce qui se passe dans une relation. Donc vous avez cette curiosité-là. Qu'est-ce qui pourrait vous détourner de ce chemin, de cette curiosité? C'est la 9 des étoiles. Ça veut dire que quelque part, vous avez peut-être peur d'être déçu ou d'être rappelé à l'ordre. Peut-être que vous avez pas mal bourlingué, mais là, il y a, si vous voulez, la peur de ne pas arriver au bout de quelque chose qui semble vous attirer éperdument. Peut-être la peur de vous prendre un vent, peut-être bien, c'est possible hein, pour ceux qui sont du genre à aller vers l'autre. Là, avec cette carte, on voit que vous avez beaucoup réfléchi à une situation amoureuse, quelle qu'elle soit. Vous en avez fermé les yeux, vous avez sué des larmes de douleur, des larmes de sang, vous avez essayé de comprendre, il y a peut-être eu beaucoup de colère. Et avec cette 9 des étoiles-là, on vous propose de la persévérance, d'aller jusqu'au bout de votre cheminement amoureux. Et si vous voulez, vous avez peut-être envie d'aller jusqu'au bout d'une relation avant d'en entamer une autre, peut-être aussi. Avec cette carte-là, on ouvre à peine les yeux et on commence seulement à voir le bout du tunnel. Alors on se dit que si on sort déjà de quelque chose de compliqué, pourquoi aller s'engager dans une relation un peu toxique? Il se peut aussi que si vous ayez cette 9 des étoiles-là, c'est tout simplement aussi parce que vous avez peur de retomber dans d'anciens schémas qui ont fait que vous avez mis beaucoup de temps à remonter et peut-être aussi tout simplement que vous avez peur de replonger dans une relation qui puisse être toxique. Ça, c'est possible également. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas dans l'inaction. Vous êtes vraiment dans l'énergie du feu, vous y allez. C'est-à-dire que malgré tout, même si vous craignez un peu cette relation curieuse, cette fascination que vous avez pour l'autre, vous y allez, quand bien même il y a une forme de retenue, de crainte, de peur d'être déçu. Et peut-être même que si vous êtes dans une relation toxique, vous voulez peut-être vous en échapper, mais en tout cas, vous avez envie d'aller jusqu'au bout de cette relation et vous êtes prêt effectivement à aller, ben oui, vous irez jusqu'au bout parce que vous avez effectivement beaucoup réfléchi. Bon. Pourquoi vous avez cette persévérance-là qui vous empêche d'aller vers cette curiosité? Je signe et je persiste, c'est parce que, si vous voulez, vous avez été dans votre passé particulièrement limité dans une relation. Ici, on a quelqu'un qui a étouffé par le passé, qui a probablement eu beaucoup de projets, et puis ben voilà, il y a eu beaucoup de retenue imposée par l'environnement, une toxicité réelle, ça c'est sûr.
On voit, vous voyez, cet arbre-là, cette branche d'arbre. Là, vous devez imaginer que c'est les mains ou les doigts qui se déploient. Et on a envie de sortir de la carte. Donc, il y a vraiment eu comme un enchaînement, un emprisonnement qui vous a empêché d'être heureux. Et vous l'avez vu. Vous l'avez vu avec beaucoup de clairvoyance. Vous êtes pourtant beaucoup impliqué dans cette relation pour que ça aille. Vous avez vu avec vos deux yeux cette personne, peut-être même que vous avez été à deux ou à trois pour essayer de faire en sorte à trouver des solutions dans une relation qui n'en était pas une. Et puis un beau jour, vous avez ouvert votre troisième œil, vous avez tellement réfléchi, tellement pensé à cette situation qu'un jour, la vérité vous est apparue et il a fallu effectivement sortir de ce schéma toxique et vous avez probablement été aidé pour en sortir. Donc, impossible pour vous de replonger, bien évidemment. Or, là, vous êtes dans une relation particulièrement agréable qui attire toute votre curiosité. Et j'ai envie de vous dire que quand bien même vous avez peur, la peur n'évite pas le danger. Donc, à moins de le voir, de voir ce danger-là au bout de votre nez, ne vous faites pas de film, ne pensez pas que systématiquement vous allez replonger dans une relation toxique. Mais laissez-vous porter et de toute façon, rien ne vous enchaîne à quoi que ce soit. Si vous sentez que cette relation si curieuse qui vous attire est une relation toxique, il est tout à fait possible pour vous de faire marche arrière parce que maintenant, vous êtes averti. Vous savez que vous venez de ce passé-là, donc inutile de craindre ce qui n'est pas encore arrivé. Alors, à mon avis, j'ai raison dans ce que je dis parce que si vous voulez, vous avez une très grande force avec vous, c'est la Roi des Anges. La Roi des Anges, c'est la personne qui a une maturité intellectuelle certaine. C'est quelqu'un qui a plongé dans sa part sombre, dans sa part claire, qui a les tenants et les aboutissants bien en main. C'est une personne qui réfléchit avec une certaine cohésion, un certain pragmatisme. Il n'y a pas trop, on ne laisse pas de place à l'ésotérisme, là, si vous voulez, avec cette force-là. Notamment dans la relation à l'autre. C'est une personne qui est capable de trancher, c'est une personne qui est capable de dégager une personne toxique de son environnement, comme c'est une personne qui est capable de pardonner. Ici, le Roi des Anges, c'est quelqu'un qui observe, mais qui se bat avec assurance et surtout avec beaucoup de paisibilité, beaucoup de calme et beaucoup de clairvoyance. Vous voyez, ce roi-là, il a les yeux ouverts, il regarde, il est apaisé. On n'a pas envie de lui faire du mal à ce roi, et le roi n'a pas envie de faire de mal à qui que ce soit. Par contre, si quelqu'un ose monter la main sur ce roi, alors le roi rendra le coup. C'est comme ça que vous vous présentez intellectuellement, et effectivement, vous avez toute cette force-là qui est en vous, et qui fait qu'effectivement, vous avez le droit d'aller vers quelque chose de nouveau dans une relation, sans crainte, puisque vous avez appris des erreurs du passé, vous avez appris de la toxicité du passé, et donc vous pouvez tout à fait, avec bienveillance, aller vers cette relation, aussi curieuse soit-elle, aussi attirante soit-elle, parce que vous saurez faire, à mon avis, le chemin arrière, si jamais c'est compliqué. Alors je vous dis ça, pourquoi ? Parce que regardez, dans votre présent, vous avez beaucoup de succès. Il y a quelqu'un autour de vous, et vous, vous êtes autour de quelqu'un. Il y a le sang de la vie qui circule en vous comme un adolescent, si j'ose dire. Vous avez les ailes de l'amour déployées, vous avez des projets, vous avez la connaissance de l'amour, vous avez fait beaucoup de choses au nom de l'amour. Et vraiment, il y a de la joie pour vous et autour de vous. Et vous, vous en avez aussi à donner. Donc, quelque part, tout est là devant vous, tout est là. Tout se présente à vous avec beaucoup de bonheur, de joie, de simplicité. Et ce peu de reliquats du passé reste encore un petit peu. Mais j'ai vraiment envie de vous dire, de vous rassurer, parce que vous avez cette force intellectuelle de faire marche arrière. Donc, laissez-vous porter si une relation est belle. Si vous avez du succès, c'est que vous le méritez. Et peut-être que parce que vous êtes bien intellectuellement, vous attirez du bon maintenant, voyez. Il n'y a pas de fumée sans feu, donc quand dans ce passé qui a pu être toxique, et je ne dis pas que c'est de votre faute, surtout pas, mais dans cette relation-là, si vous avez attiré une mauvaise personne à vous, c'est que vous lui avez laissé la porte ouverte, même inconsciemment.
c'est que qu'il y avait déjà quelque chose en vous qui vous a permis de laisser la porte entrouverte et de laisser le voleur vous prendre votre cœur. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes ce guerrier paisible, vous êtes fort, vous avez les yeux bien ouverts. Donc, si vous êtes fort, vous attirez à vous des personnes fortes. Et aucune personne toxique n'osera ouvrir la fenêtre de quelqu'un qui est fort devant lui. Voyez-vous ? C'est pas possible. Ou alors il va essayer, il va se prendre une claque, il va faire demi-tour. C'est clair, net et précis. Vous êtes fort, vous êtes paisible, vous pouvez aimer, vous avez du succès. Profitez-en, regardez. Ça a envie d'y aller. Alors oui, évidemment, bon ben, parfois on se donne beaucoup d'efforts pour arriver à quelque chose, mais je pense que ça vient de votre passé qui ressurgit là et qui vous donne le sentiment que vous n'avez pas le droit à cet amour peut-être. Parce qu'effectivement, dans votre tête, dans votre état d'esprit, regardez, il y a une relation déséquilibrée. Quelle que soit cette relation, c'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être une relation passée, comme ça peut être aussi une relation qui peut être encore présente bien évidemment, mais ça peut être une relation présente parce que vous pourriez très bien avoir du succès aujourd'hui auprès d'une autre personne, auquel cas on serait dans une triangulaire. C'est possible aussi, on est quand même, il y a beaucoup d'énergie de poisson ici, donc il faut quand même que je balaye tous les cas. Ici, avec cette 8 de cœur de codépendance, si vous êtes seul, et que ce succès-là est nouveau pour vous, il est possible que vous pensiez à une ancienne relation, et ça peut même être une relation de votre éducation passée qui a été toxique. Cette codépendance affective, elle ne touche pas que la relation de couple. Ici, regardez, cette femme-là, elle est littéralement accrochée au cou d'un homme qui ne la regarde pas. Ou alors, il la regarde, mais il est ailleurs déjà. Et toute son énergie, là, elle donne des cœurs d'amour, mais il n'y a pas de retour derrière. Et ça, vous l'avez en tête. Donc ce passé-là, il est toujours là. Ce passé toxique-là, il est toujours là et vous ne savez pas comment vous en débarrasser. Mais vous êtes au bout de ce chemin. Croyez-moi, un peu de persévérance, un peu de dur labeur encore pour dégager ces dernières toxicités. Et franchement, vous pourrez ouvrir les yeux et aller vers ce succès amoureux en toute quiétude. C'est là, c'est à votre porte. Donc, vous avez ce problème de codépendance, vous êtes beaucoup, beaucoup impliqué dans cette relation, et vous le faites encore. Peut-être que vous faites beaucoup d'efforts, et que vous cherchez beaucoup d'énergie autour de vous, avec cette 3 des arbres, pour dire que la relation dure dans le temps, ou qu'elle ait pu durer un certain temps, ou peut-être que vous mettez beaucoup d'énergie pour dire de sortir de cette personne-là de votre tête. Il ne faut pas oublier que dans ce passé-là, dans cet état d'esprit, il y a quelque chose de toxique. Donc, dans cette toxicité-là, vous avez mis beaucoup d'efforts, et cette personne-là qui est résiduelle, là, vous faites des efforts pour garder en tête et ne pas oublier ce que cette personne a fait de vous. J'ai l'impression que vous êtes encore, d'ailleurs peut-être pour certains, encore en train de donner, d'être dans l'implication dans la relation, que vous êtes un peu dans le brouillard, mais que quand vous faites des efforts, vous y voyez un peu plus clair, et vous vous dites « Ah, mais là, j'ai fait cet effort-là, j'ai obtenu ça », alors à moins que ce soit vous qui ne soyez pas en mesure de fournir cet amour. Parce que peut-être que ce succès que vous rencontrez là, et cette curiosité, peut-être que c'est vous qui êtes cet homme-là qui regarde au loin et qui a peur de s'avancer, qui a peur de se lancer dans la relation amoureuse. Et peut-être que ça vous est difficile de vous impliquer dans une relation. Peut-être qu'on a ça ici aussi, hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors, qu'est-ce que vous avez dans votre foi spirituelle, votre foi sacrée, ce que vous avez au fond de vous? Et là, pour le coup, c'est inconscient. Ça vient de votre génétique, ça vient de votre environnement profond. C'est l'envie de faire un voyage, de déménager, de partir, d'aller voir ailleurs s'il fait bon. Votre éducation vous en empêche peut-être, mais tôt ou tard, vous y viendrez. Alors, pour ceux qui sont en couple et qui sont très heureux d'être en couple, à mon avis, vous allez redonner un second souffle à votre couple à travers un voyage ou de nouveaux compromis ou une nouvelle façon de faire, une audace. On va aller à l'aventure. Pour ceux qui ont cette curiosité-là en triangulaire, il y en a certains qui pensent à partir et il y en a certains qui vont effectivement, de par cette curiosité, y aller. C'est clair, on est dans le voyage de l'amour.
Et pour ceux qui sont seuls, eh bien, vous y allez aussi. Ça sera probablement plus facile pour vous, à la condition, quoi qu'il en soit, que quelle que soit votre situation, que vous soyez capable de faire table rase de votre passé. Et j'insiste bien là-dessus parce que c'est votre plus grand défi. Regardez, vous avez dans votre défi l'as des arbres. L'as des arbres, c'est le nouveau projet amoureux, l'abondance dans votre projet, la joie de vivre retrouvée. C'est une fin de cycle qui est finie, la relation toxique est terminée. Aujourd'hui, ce qui se présente à vous est quelque chose de très très beau. Vous pouvez plonger à l'intérieur et réécrire une nouvelle page de votre histoire de vie. Regardez comme cet arbre a poussé droit, bon an, mal an, dans tous vos malheurs. Vous avez eu des chances dans votre vie, ça ne vous a pas fait courber les chines. Vous avez des connaissances de l'amour, il n'y a eu que ça. Et ces deux cœurs-là se rejoignent et ça crée cette abondance de fruits et d'amour et ça crée des racines riches en oligo-éléments. Et c'est un arbre qui peut être solide, solidement ancré, qui peut faire des projets et des projets pour l'avenir. Vous pouvez y aller. Vous avez le droit de vous donner la possibilité d'aimer un nouveau projet, même si vous êtes seul. Alors pour ceux qui ne sont pas du tout dans la relation amoureuse, ça peut être également simplement un projet professionnel qui vous apporte beaucoup d'amour à vous-même. Et voilà, et quoi, parce que peut-être que cette toxicité-là, elle est encore présente chez certains. Mais quoi qu'il en soit, concentrez-vous sur votre nouveau projet, que ça vous donne cette abondance amoureuse, parce que le succès est bien au rendez-vous, et que ce voyage-là, ce nouveau départ, il est bien au fond de vous. Donc, à quoi ça sert de lutter? La curiosité est beaucoup trop forte ici pour être retenue, en quelque sorte. Alors, quel chemin vous semblez prendre? Là, on est toujours dans l'énergie du feu. Eh bien, c'est l'élan. Il y a de la rapidité, il y a de l'accélération dans les événements de votre vie. Cette curiosité-là, de cette page des étoiles où vous y allez, là, tel le félin qui court très vite vers la lumière pour attraper, si j'ose dire, si vous étiez un chat, je vous dirais, allez, va chercher la baballe, ou le chien, si vous voulez. Bon, là, en l'occurrence, c'est un chat. Je serai un chat, moi. Je vois cette balle-là, j'ai envie d'aller la chercher. Là, j'ai presque envie de vous dire que cette curiosité est tellement forte que là, vous y allez, vous courez. Alors, soit, auquel cas, si vous allez trop vite, ralentissez, parce que il y a quand même ce schéma toxique qui est encore présent et vous avez besoin d'y réfléchir. Soit à l'inverse, vous êtes trop lent et on vous dit d'accélérer. Allez-y, parce que ça ne sert à rien d'attendre que cette relation toxique se termine toute seule. Il n'y a que vous qui puissiez couper ce cordon maléfique, si j'ose dire. Voilà, mes amis poissons. Si cette guidance sentimentale résonne en vous, je vous invite maintenant à me suivre sur Vimeo, puisque on va approfondir avec le tarot de Wicca. Je vais recouvrir le jeu. Le tarot de Wicca, c'est le tarot de la sensualité et des désirs charnels. Je l'interpréterai sur Vimeo. Si ça vous intéresse, vous trouvez le lien en bas, dans le descriptif de votre vidéo. Vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur votre chaîne de signes poissons. Vous cliquez sur la vidéo que vous souhaitez voir. Vous pouvez soit la louer, soit vous abonner. L'abonnement vous permet d'avoir accès à l'ensemble des vidéos de votre signe. Et puis, c'est un abonnement qui est très, très libre. Vous pouvez le prendre, l'annuler, reprendre une location ou ne prendre que la location et vous abonner dans un mois ou deux et puis après arrêter un moment. C'est comme vous voulez. Alors, voilà, on va tout de suite. En plus, les prix sont franchement dérisoires, donc n'hésitez pas à en profiter. Allez, hop. On va bien trier. Je vais le refaire une fois parce que ça ne me plaît pas. Voilà. Hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette curiosité avec cette page des étoiles, cette envie d'aller vers quelque chose de très attirant émotionnellement? On a est-ce que ça va sauter? Ouf, ça saute et pas qu'un peu. Ouh là là, c'est même trop. Il y a beaucoup de messages, hein. Quand on est curieux, effectivement, on a... Ah bah oui, on a cet apprenti de denier. Il y a de la joie, beaucoup de joie. Sur ce qui vous détourne de cette curiosité avec cette 9 des étoiles,
qui traduit, qui vous invite ou qui vous impose de réfléchir et réfléchir encore, comme si vous ne voyiez pas le tunnel au bout de vous qui s'éclaircit, si vous voulez. Celle-là, elle saute. On a la 2 de bâton. Ben oui, je comprends. Vous n'avez pas envie d'être seul à porter une relation, c'est tout à fait normal. Sur votre passé avec cette relation toxique, qui fait que vous avez mis beaucoup, beaucoup d'énergie, nous avons évidemment, je ne suis pas surprise, la 4 d'épée. Comme si intellectuellement, ça vous a sacrément bloqué pour aller vers les autres, en son temps du moins. Sur ce roi des anges, sur cette force qui fait que vous êtes paisible, guerrier, magnifique, regardez-moi ça, l'initiateur, vous êtes devenu un maître. Un maître des connaissances et un maître dans la capacité de juger objectivement. Sur votre état d'esprit, ce que vous ne dites pas sur cette relation dont l'un des deux fait plus que l'autre, qu'est-ce qu'on a? Elle a sauté. L'apprenti de coupe. Très très bien. Il y a quand même eu beaucoup d'implications, effectivement. Alors sachez aussi que sur Vimeo, il m'arrive très souvent de rajouter des cartes quand un tirage ne me paraît pas suffisant. Par exemple, ici, il est possible que j'en rajoute une pour avoir des précisions supplémentaires parce que je ne sais pas encore si c'est vous qui ne regardez pas la personne qui est dépendante à vous ou si c'est vous qui êtes dépendant à quelqu'un. Alors, sur ce magnifique succès que vous rencontrez, la reconnaissance d'ailleurs, vous avez de la reconnaissance autour de vous parce que peut-être vous êtes très très bien dans votre peau. Regardez, on a l'apprenti de bâton. Ça fait 2 apprentis, c'est très bien. 2 chevaliers, on y va quand même. Hein. Au fond de vous, d'ailleurs, l'apprenti de bâton, c'est ni plus ni moins la chevalier des étoiles. Vous voyez, j'ai envie de dire que votre présent là est cohérent avec votre... comment dirais-je, votre foi profonde. Je vous en rajoute une là-dessus, hein, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. On va tout de suite approfondir. Elle a sauté. La 5 de bâton, ben oui, bien sûr, 5 de bâton, ça va avec l'art. Vous avez bien peur de votre passé, hein. Vous avez peur de vous engager parce qu'il y a le passé. Cette chevalier des étoiles, qu'est-ce qu'elle nous dit? Quand on approfondit... Oh, très jolie carte. Alors la carte est tombée retournée, donc je la laisserai retourner, c'est l'obsession. Eh bien oui, évidemment. Avec cette as des arbres, c'est votre défi, votre projet, regardez, ça sort déjà, nous avons la sage de denier. Toujours dans l'ancrage, toujours dans... On avance, on va vers le progrès, on va vers la solidité dans les relations. Et avec cette 8 des étoiles, où il y a quelque chose de très rapide là qui se présente à vous, elle s'est retournée, on a la mère de coupe. Très très bien. Alors, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, et uniquement celle-ci, je vous invite à vous poser une question précise par rapport donc à ce tirage et à ce qui résonne en vous, et je l'interpréterai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Les deux cartes sont tombées, je les prends. On a la valet de trèfle, très très bien, et on a la dame de trèfle, ça me plaît beaucoup. Roi de pique. Il y en a deux qui se sont... Ah si, je peux les prendre, j'ai l'impression. Non? Ah non, je peux pas. Je croyais, mais je peux pas les prendre. Celle-là a sauté, c'est la 2 de carreau. Et celle-là, oula, donc ça a sauté. On a la 7 de cœur.
Alors, ce n'est pas terminé. Comme je le fais pour votre tirage général où je vous invite à vous inspirer d'un animal totem, ici, je vous invite à vous inspirer, si vous voulez, d'une carte ici. Donc, les couleurs sont un peu floues. Mais, si vous voulez, ça s'appelle le voyage de l'amour. C'est un oracle qui s'appelle Evidencia et qui a été créé par, une créatrice qui s'appelle Martine Nouvelière. Et comme j'aime beaucoup les cartes de créateurs, moi je vous invite, si vous voulez, à vous inspirer d'une de ces cartes qui pourrait parler soit d'un voyage de l'amour, enfin ça c'est le voyage de l'amour, mais soit par rapport à vous, soit par rapport à votre relation aux autres, ou même en vertu d'un chiffre aussi peut-être. Et là, si vous voulez, ça va vous permettre de vous inspirer d'une couleur, de vous inspirer d'une sensation, pour dire d'être connecté à vous-même et adoucir, si vous voulez, votre sensation émotionnelle, vos relations amoureuses pour tout ce mois de septembre. Alors, il me faut une carte. Regardez, oh là là, regardez. C'est cette carte-là qui est sortie. Donc, c'est dans le voyage de l'amour. Voilà, donc je vous ferai l'interprétation de cette carte. Très, très jolie carte en forme de fleur sur Vimeo. Donc, mes amis poissons, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, n'oubliez pas, vous cliquez sur la barre d'en bas de votre vidéo, vous y accédez. Je vous dis donc à tout de suite. Pour les autres, eh bien, je vous invite à aller voir votre guidance générale, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et dans tous les cas, si tout ça c'est fait, eh bien, je vous dis à très bientôt pour le mois d'octobre, pour votre prochain tirage. À très bientôt, mes amis poissons. Bisous, bisous.